Bonjour les enfants. Pour jouer à la bataille, on joue à deux joueurs ou plus. On distribue les cartes. Chaque personne fait un paquet avec ses cartes. Là. Le premier joueur commence et retourne la carte qui est au-dessus de son paquet. 6. Le deuxième joueur retourne la carte au-dessus de son paquet. 4. Le joueur qui a la carte la plus forte, c'est-à-dire celle qui a le nombre le plus élevé, gagne les cartes. 6 est plus grand que 4. Le joueur qui a 6 a gagné. Il prend les cartes et les pose en dessous de son paquet. On continue. Chaque joueur retourne une carte. Le joueur qui a la carte la plus élevée gagne. C'est 10. 10 est plus grand que 8. Alors, celui qui a 10 gagne les cartes et les place en dessous de son paquet. Retourne les cartes. Qui a gagné? Oui, celui qui a 9. 9, c'est plus grand que 8. On peut vérifier sur la bande numérique si besoin. On retourne les cartes. Qui a gagné? Celui qui a 10, oui. Il met les cartes en dessous de son paquet. On les met en dessous comme ça. Quand on joue, on prend des nouvelles cartes sur le dessus. Qui a gagné? Oui, celui qui a 6. 6, plus grand que 5. On retourne les cartes. Qui a gagné? Celui qui a 5. 5 est plus grand que 6. On retourne les cartes. Qui a gagné? Celui qui a 9. 9, c'est plus grand que 7. Et on met les cartes en dessous du paquet. On retourne les cartes. Qui a gagné? Celui qui a 7. On retourne les cartes. Qui a gagné? Celui qui a 9. On retourne les cartes. Qui a gagné? Celui qui a 8. On retourne les cartes. Alors, qui a gagné? Eh bien, on ne sait pas. Il y a 10 pour chaque joueur. Ça s'appelle bataille. Donc, personne n'a gagné pour le moment. Chaque joueur pose une carte face retournée par-dessus la carte. Et ensuite, une autre carte à l'endroit. Oh là là, double bataille! Il y a encore deux cartes identiques, 2-3. On fait encore une bataille. Deux cartes face retournée et deux cartes face visible. Ah! Qui a gagné? Oui, le joueur qui a 7, puisque 7 est plus grand que 5. Dans ce cas, le joueur qui a 7 va prendre toutes les cartes. Je remets les cartes dans le même sens et je les pose en dessous du paquet. On continue. Qui a gagné? Le joueur qui a 7, puisque 7 est plus grand que 6. Si on ne sait pas, on peut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7 est plus grand que 6. Je peux aussi m'aider de la bande numérique. On retourne les cartes. Qui a gagné? Celui qui a 9, oui. 9 est plus grand que 8. Je vérifie. Je compte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je compte cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 est plus grand que 8. Il y a un point de plus. On continue la partie et à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de cartes. La partie s'arrête lorsqu'un des deux joueurs n'a plus de cartes. On retourne les cartes. 4 et 2. Qui a gagné? Celui qui a 4. On retourne les cartes. 8 et 3. Qui a gagné? Celui qui a 8. Il ne reste qu'une carte à ce joueur. On retourne les cartes.
10 et 6. Qui a gagné? Le joueur qui a 10. Le deuxième joueur n'a plus de cartes. Il a perdu. C'est le premier joueur qui a gagné puisqu'il a toutes les cartes. Si on a perdu, c'est pas grave. On gagnera une prochaine fois.